Bonjour à tous, bienvenue au Repas de jeu solo. Aujourd'hui, c'est le jeu 20 Strong que j'ai reçu hier, en revenant du travail. J'étais bien content, petite boîte, mais beaucoup de beau contenu. Donc, un jeu de Tutory Game. Premièrement, je pense que c'est la première fois que je fais une partie d'un jeu de cette compagnie-là sur la chaîne. Donc j'ai reçu hier, j'ai fait quelques parties, j'ai pris les règles évidemment, et là je me sens d'attaque à vous faire la démonstration d'une partie. Donc ce jeu, la boîte de base est ici, et ici on a des decks pour le jeu Oplomachus Victorum et Too Many Bones. Donc évidemment pas besoin de ces jeux-là pour jouer à ça, c'est juste besoin de la boîte de base et les cartes qui sont là-dedans. Mais je m'attends évidemment à avoir des mécaniques différentes pour les monstres et les héros de ces jeux-là, mais nous, présentement, on va jouer avec la boîte qui vient dans le deck de cartes qui vient dans la boîte de base, qui s'appelle les Sentinelles solaires. Donc voici tout ce qu'il y a dedans. Donc un bel petit livre d'instructions tout petit, mais qui n'est pas de 26 pages, mais qui est tout est là. Assez clair, on ne se trompe pas. On a des beaux dés. 20 dés, donc d'où vient le jeu 20 Strong, on a 20 dés. Comme vous voyez, il y a des dés de 4 couleurs différentes. Comment ça fonctionne, c'est que on a des dés qui vont refléter nos caractéristiques de nos héros, dont la vie ici. Ici, c'est le dé de récupération qui va nous dire combien de dés qu'on récupère à la fin de chaque phase d'attaque. Et le dé de stratégie qui va nous dire combien de fois qu'on peut lancer les dés pour pouvoir attaquer. Donc, on a des dés jaunes. Les dés jaunes, ce qu'on peut voir, on voit qu'il y a deux petites encoches ici. Ça veut dire qu'il y a deux succès sur chacun de ces dés-là. Donc, un ici qui est un critique. On voit qu'il est une croix entourée d'un cercle. Et le normal, il est ici. Donc, un critique et un normal et quatre blancs. Donc, ça, c'est les dés jaunes. Les dés verts, c'est la même chose, mais sauf qu'il y a trois touches, donc deux touches normales et une touche critique. Et on y va tout pareil pour les bleus, qui c'est quatre touches, les violets qui sont cinq touches, et le rouge qui est tout est des touches, mais il y a un critique. Quand on a ce dé, on est sûr de faire le rouge, on est sûr de faire une touche, mais on espère évidemment pour un critique qui en vaut deux. Donc ça, c'est les dés. On a évidemment, qui dit chip theory, ça prend une chip, c'est un chip de poker. Donc on a ici qui est cette chip-là qui va nous servir à faire le décompte de différents objectifs qu'on aura dans des missions. Donc c'est plutôt ici là, parce que là, bon, il y a une flèche ici. Là. Donc on commence à zéro et on avance comme ça. Puis après ça, c'est un compteur finalement. C'est bien fait, c'est aimanté. Comme ça, et voilà, ça tombe pas. C'est une belle, beau chip aimanté. L'autre côté, ben, ça sert dans un autre jeu. J'ai pas encore m'en servir ce côté-là. Donc, ce côté-là, présentement. Et le deck de cartes. Il y avait des cartes promo qui accompagnaient. J'ai pris la version all-in. Il y avait des cartes promo dont trois autres héros là, qui sont sur un thème là, que je ne connais pas. De jeu de Tube Theory qui utilise ça. C'est ces cartes-là et le deck Solar Sentinel. Donc peut-être ça veut dire qu'il y a un jeu Solar Sentinel qui s'en vient éventuellement. Ils n'ont pas fait de deck Burn Cycle ou de deck quel autre jeu là qui ont Chiptory, l'autre jeu là, c'est super compliqué là. Je ne l'ai plus en tête, mais en tout cas, peut-être qu'il y a des extensions qui s'en viennent. J'ai fort l'impression que Tony Strong va avoir des extensions éventuellement, puisque c'est assez facile de le faire, tout dépendant des mécaniques de jeu qu'on veut donner à nos cartes. Donc ça, je mets ça de côté. Et les cartes, mais voilà des cartes. On va commencer par les cartes de... des monstres qu'on va. Les monstres, les vilains, les ennemis qu'on va affronter. Il y en a 45 belles cartes là-dedans. C'est vraiment des belles cartes. Elles ne sont pas dressées. C'est pas les qualités qu'on connaît de Tutory Game. Là, avec tu peux les mettre dans l'eau, puis il n'y a aucun problème. Ils ne sont pas tout à fait la même qualité, mais ils sont très belles. Ils ont un bon poids. Ils ont des reflets dedans. Ils se brassent super bien. Donc ça.
Ça, j'ai vraiment aucune difficulté avec ces cartes-là. Je suis bien heureux de la qualité de ces cartes-là. Donc ça, c'est 45 cartes et ce sont les ennemis qu'on va affronter tout le long de une bonne majorité de la partie. Et après qu'on a affronté un certain nombre d'ennemis, on va affronter un boss. Et les boss, ben, il y en a 4. Excusez-moi, je n'ai pas la même la bonne pile de cartes des boss. Donc, ils aussi, évidemment, sont plus puissants, ils ont plus de vie, ils ont des capacités, ils ont des points d'attaque. Donc, il y a ces 4 boss-là et on verra lesquels qu'on devrait affronter. On en affronte juste un. Pour gagner la partie, il faut battre le boss. On a nos héros ici, on a 6 héros, donc 3-4 réversibles. Donc les héros, ils ont une capacité ici, ils ont leur point de vie, leur point de stratégie et leur valeur de récupération. C'est des valeurs qui peuvent monter et descendre, on va pouvoir altérer ces valeurs-là durant la partie avec des capacités spéciales. Donc pour cette partie, je vais jouer... je vais jouer celui-ci, le Galahad de le Lancer. Et quand il y a un astérix ici, là, ça veut dire que ces héros-là peuvent être joués dans les decks, les autres decks, dans Too Many Bones et Victorum. Quand ils n'en ont pas, comme ceux-ci, ça veut dire qu'ils sont uniques. Ils ne peuvent pas être joués avec les autres decks. Ceux-là sont universels. Donc, je vais prendre celui-ci. Donc, celui-ci, ce qui va arriver, c'est que avant chaque phase de l'épuisement des dés, on peut récupérer 2 dés critiques qu'on aura commis sur un ennemi, qu'on aura décidé. Donc, je vais le mettre ici, avec les valeurs de vie 1. Où est le 1? 1. 3 en valeur de stratégie et 2 en valeur de récupération. Je vais le mettre comme ça. On a des cartes de mission. Ça, c'est ça complexifie la partie, hein, vraiment. C'est pas évident. On recommande pas de jouer avec les missions quand on commence à ce jeu-là. Donc là, j'ai jamais joué avec une mission jusqu'à maintenant. Je sais comment ça fonctionne. Puis je me sens prêt à les affronter, mais je sais que ça va vraiment complexifier la partie. Et je risque peut-être même pas de me rendre jusqu'au boss, pour vous dire. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces missions-là? C'est qu'on va en prendre 4. Les 4 premières. Les autres, on les prendra pas de la partie. On les tourne dans l'ordre qu'on les a mis. Et là, on doit accomplir ces missions-là. Là, on a le droit d'en défausser une. Mais ce qui arrive, c'est que peu importe quelle qu'on défausse, il va falloir qu'on fasse une mission dans l'ordre gauche à droite. Et après ça, quand on a terminé une mission, on la tourne et on passe à la deuxième. Même si on a les conditions pour réussir celle-là, tant que je n'ai pas fait elle, je ne peux pas faire celle-ci. Et après ça, si on n'a pas terminé une mission avant qu'on rencontre le boss, ben chaque carte de mission non résolue, ça lui donne des sbires de plus là, qui s'ajoutent à sa force. Donc ici, on a une mission qui nous dit « Five Strong », ce qui veut dire que on doit appliquer... c'est bien ça. Les 4 couleurs de dés différentes à un simple ennemi seul. Donc ça, je pense que ça peut se faire assez bien. Ici, Search and Destroy, on choisit une pile de cartes de conflit. Pendant que c'est notre mission... Donc, pendant cette mission-là, finalement, toutes les cartes de cette pile sont... obligatoire. OK. Donc, on doit choisir une pile après ça, parce qu'on va faire 3 piles tout à l'heure. On en choisit une pile. Après ça, les ennemis doivent être... je dois toujours affronter les ennemis de cette pile-là pendant 5 tours. OK. Ça peut être problématique dans le sens que si on rencontre un ennemi qu'on ne veut vraiment pas le voir, on n'a pas le choix de le faire, les deux autres sont bons, mais tu dois faire toujours lui, là. Ça peut nous causer des problèmes. Ignorer 2 récompenses avec cet effet-là, des récompenses instantanées plutôt que les gagner. Ouais, ça me c'est pas vraiment, je suis pas vraiment si bon que ça que les récompenses que je peux m'en passer. Dans une simple étape de commettre des dés, commettre tous les dés qui sont dans votre pot de 3 différentes couleurs. Ouh.
Commit tous les dés. Mmh, ouais. OK, je pense que je vais la garder celle-là. C'est vers la fin. Comme à la fin, il fera possible que j'ai moins de dés. Ouais, on va y aller. Je vais plutôt défausser celle-ci. Parce que juste le fait de pas pouvoir prendre des récompenses, ça me chicote. J'aime pas bien ça. OK, donc nos trois missions sont ici. Et là, on va faire des cartes d'ennemis. On va carrément, tout simplement, brosser ça. Et on va se faire... Là, je vais prendre 3 piles de la 15, en réalité. Tout simplement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et voilà. Donc, ces trois piles-là, ce qu'on fait, c'est qu'on les retourne face visible. C'est de cette manière qu'on voit les ennemis. Donc, le premier qu'on peut affronter, on va choisir un des trois. Bon, lui, déjà en partant, c'est un boss à niveau 2. Donc, on voit ici 2. Donc, 1 ou 2, c'est ce qu'on va retrouver sur les cartes de conflit. Le niveau du vilain, ici. Le Thrall. Lui, ils ont une capacité et une récompense. Donc, la capacité, ça, c'est le signe qui veut dire c'est ongoing. C'est toujours en fond. Ça s'applique en tout temps, durant le temps qu'il est en vie. Dans la phase de lancer, de rouler les dés, si on roule 4 ou plus de... 4 ou plus de dégâts, on roule des choses comme ça, là, des hits, ben on défausse l'ennemi, mais on n'a pas de récompense. Et sa récompense, c'est un effet permanent. Une fois par engagement, on peut changer one on a hit to a miss. Je sais pas trop. Une fois par engagement, on peut changer une touche qui n'a pas été appliquée à un ennemi encore pour la transformer en raté afin de changer un miss en... OK, ouais. Bon, ben, c'est comme si on convertissait. On a une touche en bleu, on l'enlève pour changer, je ne sais pas moi, une touche en mauve, un miss en mauve en touche. Bon, il doit se comboter avec d'autres cartes, là, parce que présentement, je ne vois pas trop l'utilité. Ça, c'est les points, les touches que je fais de la face pour la battre. Et ici, c'est dégâts si je ne réussis pas à le battre. Ici, ça veut dire que quand on l'active, il amène un autre ennemi avec lui. Donc, je ne suis pas sûr que ça me tente de l'activer celui-ci. J'aime pas trop la récompense qu'il donne. Hein. C'est pas très clair. Ici, on a un Bee Seeker. Ouais, une espèce d'abeille. Donc, lui, en récompense instantanée, 2 points de vie. Déjà, c'est intéressant parce que, vous voyez, j'ai mon personnage, lui, il a 1 point de vie. C'est pas beaucoup, hein? Une touche, on est mort. Donc, mais j'aime beaucoup le fait qu'on a 3 phases de stratégie et on récupère 2 dés. C'est pour ça que j'ai pris celui-là, en sachant qu'il est très, très faible, mais en ayant des cartes comme ça, qui donnent 2 points de vie, on peut se ramasser à 3, juste en battant celui-là. Donc, lui m'intéresse beaucoup en partant. Sauf qu'il y a un effet de fin de partie, ici, de fin de manche, plutôt, même s'il est battu, on l'applique ça. Battu ou pas battu, ça s'applique toujours. Puis en plus, il y a une bordure orange. Puis je vois, quand c'est une bordure orange, c'est un ennemi obligatoire. Donc lui, en partant, je sais que j'ai pas le choix de l'activer. C'est obligatoire. Donc on va le mettre ici. Là, j'espère qu'il n'y aura pas un deuxième avec une bordure orange. OK, non, parfait. Là, j'aurais choisi l'un des deux. Donc lui, drone à l'onde 2, niveau 1. Capacité continue pendant qu'il est actif. Pour chaque critique qu'on applique à un ennemi, on doit épuiser une touche non appliquée. Ouais, ouais, OK. Cheese, pizza. Pizza au fromage comme récompense. Au début de chaque... Oh, au début de chaque... C'est quoi? Il nous donne la vie. Au début de chaque ronde,
plus un en vie si on a trois en vie ou moins. C'est, ouais, c'est bien ça. Bon, ok, là mes trois ennemis. Ce que je dois faire, évidemment, dans, au début de manche, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit activer un ennemi. Là, je vais vous montrer les règles particulières que dans la boîte de Solar Sentinel, il y a ce pamphlet-là qui sont les règles particulières de Solar Sentinel. Il y aura la même chose pour Too Many Bones et Victorum. Donc, ces règles-là supplantent celles du jeu de base s'il y a des différences. Donc, ici, on voit quelque part, on va voir ici, bon, comment que la ronde, le tour se passe. Donc, la phase d'activation et la phase d'engagement. Phase d'activation, on active un ennemi. Un ennemi, pas deux, pas trois, un. Et obligatoire si, bon, c'est lui. Et après ça, on fait cet effet-là. Donc, si j'activais lui, il faudrait que je fasse l'effet que j'amènerais un deuxième. La phase d'engagement, ben là, on choisit les dés qu'on va brasser. Commit Dance, c'est ça. On choisit les dés qu'on va brasser. On les brasse. On les applique sur les ennemis. Et après ça, on répète au besoin, stratégie stats. Donc, je peux répéter jusqu'à trois fois cette phase-là. Et après ça, je suis obligé de le faire trois fois, je peux le faire deux fois. Si j'ai tous les touches que j'ai besoin, après deux, j'arrête là. Et après ça, on fait la phase de dénouement, le resolve phase. On a des dégâts si on n'a pas vaincu l'ennemi. On a des after effects qui est la petite chose que je vous ai montré tantôt ici. On épuise les dés. Après ça, on récupère les dés. Après ça, on gangle les récompenses. Et après ça, on fait la phase de nettoyage. On enlève toutes les cartes actives. Et on enlève... il faut défausser une carte dessus. Dans la phase de nettoyage, on a toutes les cartes qui sont actives, qui sont ici, qui sont actives. Donc, battues, pas battues, on les défausse. Et on doit défausser une carte dessus d'un de ces decks-là. Parce que, éventuellement, pour rencontrer la boss, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit vider au moins une pile. Après qu'on ait vidé une pile, ben on a l'opportunité d'affronter le boss. Sinon, on peut attendre plus tard, mais on ne peut pas l'affronter avant ça. Donc, je vais me tourader ici. Et là, ben moi, je disais, j'ai pas le choix, c'est lui que je dois affronter. Donc, celui-là, à la fin, il va falloir compter le nombre de dés qui est appliqué dessus. Donc, si on a des critiques, ça va être moins, mais ça peut être 4. Défausser ce nombre de cartes du dessus d'une n'importe quelle pile, une à la fois. For the tops of any. OK, ouais. Ça peut être any, ça peut être the tops. Ça peut être, OK, on peut les défausser une là, mais 4 fois. OK. Donc, lui, 4 touches pour l'avoir. Donc là, c'est là que je dois choisir quel dé que je dois brasser là-dedans. Le dé rouge, je ne pense pas que c'est une bonne idée tout à fait de l'impliquer maintenant. C'est sûr qu'il me donne une touche, mais quoi, je peux le récupérer. Je peux récupérer deux dés. Ouais. C'est ça la décision. Hein. Comment qu'on met le dé, sans sachant que si j'en commets 4, j'en récupère 2. Les dés épuisés, on peut les récupérer, mais on est les dés épuisés. Je vais vous les mettre de côté, les dés épuisés, mais... ouais, on peut récupérer, mais bon, c'est pas sûr ou certain qu'on les récupère. Hein. Donc, je vais prendre ces trois. On va commencer avec ces trois dés-là. Espérons que j'aurai un critique parce que j'ai, avec ma capacité de mon héros, je peux récupérer des critiques avant la phase de récupération. Donc, je lance les dés. J'ai pas critique, j'ai trois touches. Donc les trois touches qui sont là, ben je les applique ici. OK. Et là, je vois, j'en ai vraiment qu'une. Donc j'ai une deuxième phase de stratégie. Je vais prendre un dé mauve. Et non pas un dé mauve, un dé bleu plutôt. Un dé bleu, et je vais le lancer donc une fois, espérant avoir une touche. Sinon, je peux le lancer une autre fois pour ma troisième phase de stratégie. Je peux choisir d'ajouter autant de dés que je peux. Tout lancer mes dés, c'est le jeu en réalité, hein, mais bon, ce serait un peu con parce que je n'en récupère que deux. Donc, s'il vous plaît, un critique, ce serait vraiment excellent. Bon, ben, c'est une touche. Bon, j'espérais mieux. Donc, j'ai mes quatre touches après deux phases de stratégie sur ce dé-là. OK. Et là, parce que donc je peux arrêter ma phase d'engagement immédiatement.
Et là, c'est là, on fait la phase de dénouement. Ben lui, il est battu, on le met comme ça. Quand un monstre est battu, d'habitude, on le tourne de côté. Parce qu'on va avoir plus qu'un monstre, évidemment, qui nous attaque en même temps. J'ai pas de dégâts, mais j'ai un effet ici. J'ai l'effet, je compte le nombre de dés que sur la carte. Donc, il y en a 4. Donc, je vais défausser 4 cartes. Celui-là, c'est sûr et certain. Je l'aime pas du tout. Donc, celui-là, je le défausse. Ici, il y a un ennemi. Il y a un ennemi obligatoire. Est-ce que je le défausse? Oui, je le défausse. C'est bien que je puisse défausser. C'est bon parce que des fois, ça nous précise pas si les cartes qu'on défausse sont pour les ennemis obligatoires ou non obligatoires. Il y a des effets qui sont marqués non-mandatory enemy. Donc, dans ce temps-là, quand il n'est pas spécifié, ça peut être n'importe quel. Quand c'est spécifique, c'est pas un ennemi obligatoire, on n'a pas le droit, mais c'est marqué. Donc là, lui, en partant, il ne m'intéresse pas parce qu'on voit ici qu'il amène un autre ennemi. Puis en plus, c'est 3 dés maximum qui peuvent être commis. Donc, il est vraiment... Wow! OK, mais ça, c'est fort, 3 dégâts. Mais c'est fort là, la récompense, mais il est un peu trop contraignant. Donc, ça fait un que j'ai défaussé. Ici, j'ai un autre ennemi obligatoire ici. Celui-là aussi, je le défausse. Écoutez, j'ai chanceux d'avoir cette carte-là qui me permet de défausser des cartes parce que lui, il amène un ennemi. Et en plus, les critiques ne peuvent pas être appliquées aux ennemis. Donc, on ne peut pas appliquer des critiques. C'est vraiment un effet super intéressant. 5 points de vie, mais écoutez. Je le défausse. Ça fait 2. Puis je vais défausser celui-là qui amène un autre ennemi. J'aime pas les ennemis qui amènent d'autres ennemis. Hein. Puis en plus, pour chaque dé qu'on commet, on doit commettre tous les dés de la même couleur. Donc si je décide de prendre un dé mauve, ben, je vais toutes les mettre. Donc ça ne m'intéresse pas du tout. Donc un troisième ennemi que je défausse. Et lui, il y a un autre ennemi obligatoire aussi. OK, lui, on doit le battre avec 4 dés. Ouais. Récompense. Une fois par ronde, on peut épuiser un dé de notre pool de dés pour changer une touche en critique. Ouais. Ça peut être pas si mal, mais... Lui avec le défausse. Eh bien, quand même, j'avoue là, que ça m'a un peu. J'ai quand même défaussé 4 ennemis, puis 4 ennemis, dont 3 obligatoires, et un qui. Je trouve que cette carte-là m'a aidé, mais en même temps, ça me fait moins d'ennemis affrontés avant de rencontrer le boss. Donc, ça pourrait me. Me faire mal au bout de la ligne, cette affaire-là. Moins de chances d'avoir des belles récompenses, mais c'est comme ça. Donc, j'ai appliqué cet effet-là. Maintenant, j'applique cet effet-là qui est ici, qui me donne 2 points de vie. Donc, de 1 va passer à 3. Parfait. Et lui, après ça, on épuise les dés. Donc, ces dés-là, je les mets de côté. On gagne la récompense, donc la récompense, ben, je viens de me la mettre, là, c'est gagner 2 points de vie. Et après ça, c'est la phase, avant de gagner récompense, avant, vous récupérer des dés. Et comme j'avais aucun critique, je peux récupérer aucun de ceux-là, et ma capacité, c'est d'en récupérer 2, donc je vais récupérer mon rouge et mon violet. C'est dommage que je perds 2 bleus, il faut essayer de trouver une manière de récupérer. Et là, c'est là qu'on gagne la récompense. Et après ça, on fait la phase de nettoyage. Je défausse ces cartes-là. Cette carte-là, et je dois défausser une carte encore une fois du dessus du deck. À chaque fin de notre phase de nettoyage, c'est ce qu'on fait. Là, j'ai 2 cartes qui amènent 2 et 1 ennemi à toutes les fois. Défausser celui-là.
Bon, ben, voyons, un tour. 7 cartes qui sont passées dans une seule phase, c'est vraiment beaucoup. Donc, 4 et 1, 5 et 6, 7. Pourquoi j'en ai 7? J'ai l'ennemi que j'ai battu. OK, bon, ça se termine. Donc là, la phase est terminée. On est rendu on recommence. Et là, c'est. Là, j'ai perdu sur mes 17 dés d'attaque. J'en ai plus que 15 maintenant, puisque j'ai perdu ces deux-là. Et on va voir comment on peut les récupérer. Pour l'instant, il n'y a rien là-dedans qui me permet de récupérer des dés ou d'augmenter ma valeur de récupération. Ça, c'est bien dommage. Lui, pas intéressant. Ça dit. Comme récompense, defeat and gain a reward from the top card of the left. OK. Avec lui, on peut. On gagne automatiquement. On défait l'ennemi automatiquement qui est sur la pile de gauche et on gagne sa récompense. Ouais. Je pense que je vais y aller plutôt avec lui puisque. Lui, j'aimais bien sa capacité. Que si on avait trop, au moins en récompense, en valeur de combat, on a pas de combat, mais en valeur en valeur de vie, on récupère un. Lui, bien, il est intéressant, éventuellement, si on rencontre la boss, puis amène d'autres ennemis avec lui, et là, on peut baisser la vie des ennemis un ou deux à deux. Il m'intéresse, lui aussi. Mais c'est pas intéressant. Si dans la phase, dans la phase de lancer des dés, on roule deux ou plus des misses, on défausse l'ennemi, on n'a pas la récompense. Donc, 5 points de vie aussi, c'est beaucoup. Lui, il a 4 points de vie, quand même. C'est 7 points de vie, 8 points de vie, ça fait beaucoup de dés à utiliser, ça. Wow! Bon, ben, je l'ai enlevé, une fois que je l'ai enlevé, puis là, avant de choisir, j'aurais peut-être pas dû, parce que là, j'ai vu lui qui est là, puis bon, dans le sens, on n'est pas supposé voir les cartes en arrière. Mais là, comme je vais le montrer à la caméra, j'ai pas le choix. OK, on va y aller avec lui, écoutons, on va essayer. Donc, j'ai 4 points de vie à lui faire, 4 points de dégâts à lui faire. Ma mission, moi, ah oui, il faut pas que j'oublie, j'ai des missions, hein. 5 des couleurs différentes, je l'ai presque eu, non, pas avec l'autre combat, non. Ouais. Ça, je ne vais pas l'avoir quand je vais combattre un ennemi qui a 5 dégâts, 5 points de vie, un de ces trois-là, finalement. Je vais être bon pour le faire à ce moment-là. Donc, lui, je pense qu'on va faire intervenir des dés jaunes, 2 dés verts, et un violet. On va essayer ça comme ça. Donc, pour chaque critique qu'on applique à un ennemi, on doit avant épuiser un unapplied hit. Ouf, OK. Ouais. Bon, mais justement, j'en ai un critique ici, là. Puis, il est pas... c'est dommage que j'ai un critique ici, puis c'est rare d'avoir un critique sur le jaune, mais bon, ça me dit que si j'applique ce critique-là ici, je dois épuiser lui. Avant. Donc, bon, on va le faire. Donc, j'épuise ce dé-là, malheureusement, et je mets les critiques du jaune ici. Ça, c'était ma première phase d'engagement. Ma première phase de stratégie. Donc, je vais faire une autre deuxième. Et avec les menus, je n'ajouterai pas de nouveaux dés. Donc, je peux récupérer les dés que j'ai là, je relance les mêmes dés en réalité. Je peux pas l'enlever, là, mais je peux dire, OK, j'en garde que deux, je les ai commis, donc ils sont commis jusqu'à la fin. Et là, j'ai une autre touche que j'applique. Donc là, j'ai 3 touches, et là, je relance les dés encore, et cette fois-ci, ben, j'espère une touche. Hein. Tout ce que je peux espérer, c'est d'avoir une touche, parce que sinon, l'ennemi n'est pas battu, et j'aurais perdu tous ces dés-là, malheureusement. Il va...
Et là, je ne peux pas mettre ce dé là puisque je n'ai pas. Ah là là, qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là? J'ai pas de touche non appliquée à défausser, donc je pourrais pas. Si j'avais eu ça comme ça, ça aurait été cool, mais non, je ne l'ai pas. Donc je ne peux pas appliquer ce. Donc j'ai trois. Ah, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Donc je subis les dégâts, c'est deux dégâts. Je tombe à un. Ah, je déteste ça. Je retombe à un. Les effets, il n'y en a pas. L'effet After Effect, il n'y en a pas. J'épuise les dés. Ben oui, ils partent tous partis. J'en récupère deux. Bon, je récupère mon. Un mauve et un bleu. Mais j'ai quand même tous ces dés-là. Hein? Tous ces dés-là qui sont partis. C'est vraiment. Non, ça aurait été trop fun d'avoir cette. Je suis pas content, là. J'ai aucune récompense à gagner. On fait le fort nettoyage, on nettoie, on enlève cette carte-là et on doit défausser un ennemi ici. Je vais défausser celui-là. Et là, on recommence ma phase d'activation. Donc, je vais prendre celui-là qui a quand même 8 points de vie. Mais gardez recover up to 5 dice. N ou défausser un ennemi. Pas si vous voulez le faire, là, mais bon. 8 points de vie, c'est beaucoup. J'y vais. Bon, quel dé que je commets, ben, j'en commets beaucoup, là. Je commets tous ceux-là. Tous ces dés là. J'ai 8 points de vie. J'ai 8 dégâts à lui faire, fait que ça me prend des critiques. Là, cette fois-ci. Ah, j'ai 5 touches. Je vais lancer le rouge parce que je sais avoir un critique avec lui. Là. De toute façon, je ne l'appliquerai pas. Le rouge, je ne l'applique pas. Donc, j'applique 4 touches. Et il m'en reste 4. Je vais lancer, pour la deuxième fois de stratégie, je vais relancer les mêmes dés. J'espère avoir un critique sur le rouge et deux autres touches. Hein. Je suis un peu. Peut-être un peu trop optimiste, là, mais bon. Bon, j'ai eu mon critique que je voulais sur le rouge. Donc, ça fait 6 touches. Pour ma troisième phase de stratégie, je vais prendre. Ah là là, c'est fou. Un bleu pour avoir deux touches, hein, imaginez. Bon, j'en ai 3. De toute façon, je les applique tous puisque je les perds de toute façon. Donc maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 points de. 9 points. 9 points de dégâts. Donc il est battu, mais gardez-moi tous les dés, ça l'a pris. C'est fou. Donc, pas de dégâts, pas d'after effect, il n'y en a pas ici, pas d'effet du tout. On défuise tous ces dés-là. Et voilà, regardez, il ne me reste que 3 dés. Tout ce que j'ai besoin, tout ce que j'ai. Et là, je me dis que je peux en récupérer 5. Mais je ne me gênerai pas. 1, 2, 3, 4 et 5. Plus les deux que j'ai pour ma récupération là-bas, ben ça va être un bleu et un vert. Bon, enfin, ça me fait du bien. Mais j'ai quand même tous mes jaunes et 3 verts qui sont épuisés, que je ferais bien, je trouve un moyen de récupérer. Mais bon, c'est intéressant. Donc, j'ai gagné ma récompense. Est-ce que je défausse une carte ici? Ouais, je vais défausser celui-là. Qui est la pile de gauche. Là, un instant. Oh, t'as peu. J'ai me rendre compte. J'ai fait la première mission qui est ici. Qui était d'appliquer
5 couleurs différentes, là. Est-ce que j'ai fait 5? Non. Oui. Ah, je ne me rappelle plus. Ah, il faut que j'aille voir si j'ai fait. Ah là là, j'aille voir. Bon, révision vidéo faite. J'avais effectivement mis 5 dés de couleurs différentes sur l'autre ennemi. Évidemment, avec 8 points de vie à y enlever, c'était quelque chose qui était risqué d'arriver. Donc ça, c'est complété. Et là, je dois faire tout de suite. Là. J'ai choisi une pile et carrément passer les 5 prochains ennemis de cette pile-là. Donc, il ne faut pas que j'oublie de les monter toutes les fois. Donc, je suis à 0, évidemment, présentement. Donc, c'est ici. Quelle pile que je choisis? Bon, lequel qui est plus intéressant dans tout ça, là? À toutes les fois qu'on défait un ennemi... Ok, là, je vais prendre la pile comme ça. Je n'avais pas lui qui est en dessous, là. À toutes les fois qu'on défait un ennemi niveau 2, on gagne une vie. Ouais. Ben, il fait apparaître 2 ennemis, lui. C'est... Ok, là. Non, merci. Non, merci. Bon, lui, il me fait... Ok, les boss sont ici, hein. Je pense que je ne l'ai pas brossé, là, mais... Bon. Je vais brosser ça. C'est que ça nous fait tourner, là, ils sont cachés, là, on affronte un, on va affronter le premier, peut-être oui, peut-être que non, parce que avec une carte comme ça, ce que ça fait, c'est que, la dernière carte est toujours dure à prendre, ah là là, ah. Bon, avec lui, ce que ça fait, c'est qu'on révèle la carte du dessus du deck, puis si, advenant qu'il y avait déjà une qui était révélée, on la défausse, donc ça peut être intéressant de, ça nous permet peut-être de choisir notre boss un peu, finalement. Ok. Bon. Et je pense que là, il y a celle de la pile de droite qui me parle un peu. Là. Un max de 1 dé de chaque couleur peut être appliqué à chaque Apply Life Step. Ça peut être bon. Hein? On voit que pendant que la région qui contient les dés épuisés, il y en a 8 ou plus. Présentement, j'en ai 7. Les touches sur les dés bleus valent 2 dégâts. Oh, ça peut maximiser mes dés bleus, ça. Ouais, je vais choisir la pile de droite. Donc les 5 prochains combats, ça va être ici. Donc, le premier, on y va. On active cet ennemi-là. Il y a un ennemi de niveau 2, hein, en passant. Et là, je décide les dés que je vais lancer. Garder mes bleus. Oh, ah non, mais ok, dans chaque apply step. Ok, donc je vais y aller quand même avec 4. Ces 4-là, parce que comme je peux juste appliquer un dé de chaque couleur pendant la phase d'application des dés, ça ne donne rien de brasser des dés de plusieurs dés de la même couleur, puisque je ne peux appliquer qu'un seul à toutes les fois. Donc allons-y. Bon, j'ai un critique sur le rouge. J'ai 2 touches sur le, et donc j'ai 4 touches maintenant sur cet ennemi-là. Je vais relancer. Là, ça m'en prend 3 autres. Je vais relancer. Là, je vais garder lui qui n'a pas servi. Puis je vais ajouter ces deux-là. J'ajoute 2 mauves. Je vais acheter 2 mauves. OK. Là, je vais avoir 3 touches là-dedans. Je pense bien que ça va fonctionner. Et voilà, les 3 touches. Donc, en 2 coups, j'ai battu cet ennemi-là. Non, je peux pas. Ah non, une fois. Je peux pas mettre, 2 dés de la même couleur. Donc, je vais mettre ces deux-là. Et là, je vais lancer lui et espérer pas tomber sur la face qui a rien du tout. Pfiou. Ouais, ça a été catastrophique. Parce que si j'avais pas. Je tombais pas malheureusement sur la face qui avait rien. J'avais des dégâts, 2 dégâts, puis j'ai plus qu'un point de vie, donc c'était la fin pour moi. Et voilà. Donc, 7 dés qui sont touchés. Donc, comment on continue? Donc, aucun dégât, aucun after effect. OK. On épuise tous ces dés-là. Ça fait beaucoup, encore une fois. Vraiment un peu trop, tant qu'à moi. OK, j'ai mis en ordre, là. Maintenant, on recouvre. Je peux n'en reprendre que 2, imaginez-vous. Je
peux n'en prendre que deux. Mais j'ai mes dés bleus, mais et là, je récupère la récompense. Là, c'est intéressant, c'est que là, j'ai plus que 8 dés, j'ai 11 dés dans la... Ouais, c'est fou. 11 dés dans la région de la... Comme je l'ai montré, ils sont ici. Fait que... Donc, mes deux, maintenant, valent 2 dégâts. Hein. Ça, faut... donc, cette capacité-là, je la mets ici. Bon, ben, un ennemi battu. Un. Alors, il va avec lui. It cannot be applied to a matching color pair. Ah ben, regardez ça. Ah ben ça va être pas trop pire. Vous allez voir, les dégâts peuvent seulement être appliqués aux ennemis en paire, en dégâts, en dés de la même paire, de la même couleur, en paire. Donc, je vais prendre des dés bleus, puisque j'ai besoin de 4 dégâts. Donc, j'ai 2 touches, je vais avoir... Mais oui, c'est merveilleux, ça. Ça, je suis content d'avoir ça. Donc, je ne commets que 2 dés. Je les lance et ça me prend. J'ai trop pour avoir des touches. Donc je reste bien avec ça. Et je l'ai du premier coup. Donc deux touches que j'applique. Si je peux juste appliquer en paire de la même couleur. Donc ça c'est fait. Et avec cette capacité-là, puisque j'ai 11 dés, mais ici dans la région des épuisés, ben mais chaque touche vaut 2. Donc j'ai 4 dégâts. Donc 4 dégâts, l'ennemi est mort. Parfait. Donc, on n'a pas de dégâts, pas d'after effect. On épuise les dés. Et on épuise les dés. Après ça, on récupère les dés. Donc, je vais récupérer un bleu et un mauve. Ou je récupère encore... Ouais. Je récupère mes bleus. Je récupère un mauve et un bleu. Bon. Je récupère les bleus. Les bleus font toutes deux touches. Non, j'ai mieux récupérer deux bleus. Ils sont plus puissants maintenant. Tant que j'ai 8 dés et plus dans la région là-bas. OK. OK. Maintenant. Bon, lui est battu. Et je pense que tout à l'heure, quand j'ai battu l'autre avant, j'avais oublié de défausser une carte. Hein. Là, que je gagne une récompense qui est là, qui me fait monter de 3 à 4. Mais pour l'instant, j'ai vu que ça m'a pas trop nuit. Donc, j'ai 4. Peut-être pour le bas, ça va être bien d'avoir ça. Donc lui est battu. Là, je dois défausser une carte. Puis, je n'avais pas défaussé la fois d'avant. Donc, ça, il faut que je reprenne ça. Donc, je peux défausser celle-ci. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Okay. Je vais marquer 2 ici. J'en ai battu 2. OK. Donc, moi, je vais défausser celui-là. Et là, je vais défausser... Lui, j'aurais dû défausser la fois d'avant, là. Celui-là. Bon. OK. Et là, je vais, pour mon troisième ennemi, pour réussir ma mission, c'est celui-ci. Un Decitol. Oh! On bannit tous les... Oh, the Mrs. Oh, banish. Banish! OK. Ça veut dire qu'on les carrément... on ne peut plus s'en servir jamais. En tout cas, jamais. Pas de cette partie-là. Ils vont même pas dans la zone d'épuisé. Hein? OK. Comme récompense, qui est une carte qui est un usage unique, on efface les effets d'un ennemi 1 ou d'un ennemi niveau 2. Bon, OK. Bon, lui, c'est 3 points de vie. Donc, je vais lancer un bleu et un... Carrément, un bleu et un mauve. C'est ça les dés que je vais commettre, tout simplement. Donc, je pense pas qu'avec 2 dés, je vais commettre des misses et je devrais pas en avoir. OK, pour l'instant, ça va, j'avoue, là. OK, j'ai un, ici, dans ma première phase de stratégie, j'ai un dégât que j'applique. Et la deuxième phase de stratégie, j'en ai 4, donc je lance, là, je suffit juste d'avoir une touche. J'ai 3 lancés pour avoir une touche. Ça devrait fonctionner. Et voilà, donc ça vaut 2, puisque j'ai plus que de 8 dés ici. Donc, j'ai 3 dégâts pour celui-là. Il est mort. Donc, pas de dégâts, évidemment, pas de, et là, il a un after effect.
Un affiche d'effet qu'on n'appliquera pas, puisque j'ai aucun échec dans mon DD d'Amazon Active. Bon, ça, on va faire ça. On épuise ces deux dés-là. Et là, on en récupère deux, parce que c'est ma capacité. Donc, je récupère deux bleus. Et ça, ben, on la garde, parce qu'on va pouvoir mettre appliquer cet effet-là éventuellement. En passant, des objets... là, je n'avais pas d'autres objets. Non, ça, c'est un effet. OK. Les objets comme ça, on peut en garder maximum de la valeur de ce dé-là. Donc là, je peux avoir jusqu'à 4 objets maximum ici. Je peux avoir le cinquième objet, ben, j'en ai un cinquième, je suis dans des faux siens, j'ai une limite de 4. Donc, j'en ai battu un troisième. Et là, je vais défausser une carte d'un deck ici. Ouais, pas drôle celui-là. Pour dans chaque. Ok, lui, dans chaque phase de lancer des dés, moins 1 en vie pour chaque couleur de dés qui roule 2 ou plus de dégâts. 2 ou plus de hits. Non. Non, je vais défausser cette carte-là. Là, la pile descend vite, évidemment. Donc, mon quatrième ennemi pour ma mission, c'est celui-là. Il y a un autre Discreto. Mais non, c'est pas un autre. L'autre, c'est un Decito. Ouais, les noms se ressemblent. Hein. L'autre d'avant, c'est un Decito. Là, c'est un Discreto. Donc, le Discreto, si cet ennemi est défait, on doit. Oh my god, on doit bannir les dés qui sont appliqués dessus. Ok, bon, ben, ça, c'est un des bleus, 2 points de vie. Un point de vie seulement. Ah, c'est dommage que j'ai pas de jaune ou de vert. Ah là là. Mais il me fait gagner 1 en récupération. Ça, c'est merveilleux. Bon, ben, écoutez. Je vais bannir un dé comme ça. Ben, ouais. Donc, je lance le dé. J'ai ma touche. Donc, je le tue d'un coup. Hein, avec un petit coup de pied. Il est battu, je l'écrase, cette vermine, mais bon, à cause que il est battu, et là, le future effect, c'est qu'on doit bannir ce dé. Donc, ce dé-là, je vais le mettre dans un autre endroit, là, que je ne peux jamais le réutiliser. Et là, donc, j'ai aucun dé épuisé. Je récupère mes dés, donc je fais là, je ne peux pas récupérer mes dés. Je n'ai pas appliqué la récompense, hein, c'est pas maintenant que je la récupère. Je dois récupérer mes dés avant. Donc, je vais récupérer deux dés mauves. Et là, maintenant, je peux appliquer la récompense. Ça me fait gagner 1 ici, donc c'est merveilleux. Après, à partir de maintenant, je peux récupérer 3 dés. OK. Bon, ça, c'était mon quatrième ennemi. Et là, je vais défausser une carte. On va bannir celui-là. Oh là là, peut-être pas. 4. J'hésite entre ces deux-là finalement. Lui, je le gardais absolument. Écoutez, récupérer jusqu'à 3D, là, ça, c'est une récompense que je vais avoir. Bon, on va bannir ce dé-là. Ce dé-là. Je vais défausser cette carte-là. Bon, et là, mon dernier ennemi que je rencontre sur cette pile-là, avant de réussir la mission, c'est lui. Le Decaying Mantis. Qui fait que je ne peux pas utiliser d'objets contre lui. Donc, c'est bien, je n'avais pas l'intention. 5 points de vie. Récompense, un objet unique qui nous dit qu'on peut bannir 2 dés de notre pot de dés pour défaire un ennemi niveau 1. Ok, peut-être plus à la fin de partie, on verra si ça m'intéresse. Je suis pas sûr. Donc, quel dé que j'utilise pour faire 5 points de vie? Hein? Au moins, si je peux en faire 2 avec ça. Donc, ces 3 dés-là, que je vais récupérer de toute façon. Hein, parce que je peux récupérer 3 dés maintenant. Donc, j'y vais. Je lance ces 3 dés.
Et du premier coup, j'ai cinq touches, puisque celle-là va à 2, puisque j'ai plus que 8 dés, j'en ai 9 ici. Donc, il est mort. Super. Aucun effet After Effect, aucun dégât. J'épuise les dés. Et je recouvre, et même plus aider, et là je récupère, donc je récupère 2 comme ça. J'ai les mêmes que j'ai lancé en réalité. Et je gagne la récompense, qui est un objet qui va peut-être un jour me servir, je ne sais pas. Pour l'instant, bannir des dés, c'est moins possible. Et là, je défausse ça, et là, j'ai réussi, c'est mon cinquième ennemi que j'ai battu dans cette pile consécutive. Et là, je peux dire que j'ai réussi cette mission. Et là, ma prochaine mission, c'est celle-là. Dans un simple commit all dice in your dice pour tuer. Comme là, si je voulais faire ça, il faudrait que je lance tous ces dés-là d'un coup. On va voir. On va pas presser de la faire, je vous dirais, pour l'instant. Donc, ça, je remets ça à 0. Je n'ai plus besoin de cette chip-là. Donc, j'ai aucune de mes stacks qui est terminée. Hein. Est-ce que j'ai défaussé une carte, moi, là? J'ai battu l'ennemi. J'ai pas défaussé de carte encore. OK. OK. Ouh! Recouvrir tous nos dés bleus. C'est intéressant, ça. Wow, ils sont vraiment. Hey, j'ai super trois belles cartes ici. Une carte qui peut me récupérer 2 dés ici. Puis en plus, ça vaut. Hey, moi, my God. Écoutez, celle-là est très forte. Je ne veux pas la défausser. Celle-là me récupère 3 dés, mais je vais défausser celle-là parce que c'est trois cartes qui me permettent de récupérer des dés, mais oh my God. En défaussant celle-là, je viens de révéler celle-là. Et c'est un ennemi obligatoire. Oh, pff, ouais, ok, c'est lui que je dois affronter. Ennemi niveau 2, Total War Spore. Ok, là, je ne m'y attendais pas. Je l'ai vraiment pas lu, je l'ai affronté, hein, mais vraiment pas. Ok, en effet, hey my God. If you roll, at least to banish. Hey, c'est fou. Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Moins 1, je perds moins 1 récupération quand je le gagne. À la fin de chaque phase de stratégie, return all committed misses. Ok, je récupère toutes mes... Non, mais... lui, il est vraiment désastreux, ce boss-là. Pas ce boss-là, mais cet ennemi-là. Dégoûtant. Bon, lui, il est vraiment... Il va falloir faire très attention. J'ai bien l'intention. Écoutez, oh my God. Celui-là, en plus, que je lance les 3D. Puis les 3D les plus faibles. Puis les plus faibles, vraiment, c'est mes dés bleus. Donc, c'est quasiment assuré que je vais avoir au moins 2D. Puis je veux pas bannir un autre. Donc, ça, je veux pas faire ça. Donc, je vais carrément prendre un des objets que j'ai obtenu auparavant, qui est lui, d'effacer de l'effet d'un ennemi 1 ou 2. Donc, j'utilise ça pour effacer cet effet-là. Donc, c'est fait. Je l'ai utilisé. Donc, ça, on fera pas ça ici. OK. Donc, 5 points de vie, 3D. Je vais prendre ça. Je vais prendre les mêmes dés que j'ai fait tout à l'heure. Et comme tout à l'heure, j'obtiens tous les succès qu'il faut. 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai mes 5 points de dégâts. Il est battu. Pas de dégâts, pas d'after effect parce que j'ai effacé son effet. On épuise les dés. On récupère les dés. Donc là, récupère 3D. On récupère les dés. Après ça, je gagne la récompense, et là, la récompense, en la gagnant, je baisse de 1 ici, qui m'énerve au plus haut point. Je retombe à 2. Ouais, ça, j'ai encore un point de vie, hein, c'est incroyable, j'ai pas eu de carte.
OK, bon, et là, j'ai un effet. À la fin de chaque phase stratégique, tous les ceux qui n'ont pas, eu des hits, je les ramène dans le pool. Ça, c'est intéressant. Intéressant d'avoir cet effet-là. Ça veut dire que je peux commettre. Oh, ça veut dire que je peux commettre un méchant paquet de dés. Ah, ben, coudon, mais un instant, ça veut dire que je peux tous les commettre ou presque. Ben, puis c'est sûr que les miss, j'ai au lieu des je peux les ramener. En tout cas, ça peut être des options intéressantes, vraiment. OK, là, j'ai battu, je vois défausser une carte. Donc, je vais. Exhaust one dive, make one. Alors, je vais fausser celui-ci, garder zéro dégâts, les rouges et les. Non, défaussant celui-là. Bon, et là, je choisis un autre ennemi. Bon, là, je prends celui-là. Hein? Bon, il y a une capacité spéciale. Je pense que la première fois qu'on l'envoie avec un X, mais une étoile. Quand cet ennemi est défait, vous pouvez immédiatement défaire. Mais si j'avais un ennemi en jeu en même temps que lui, donc c'est intéressant, je bats lui, puis les autres sont battus. Mais bon, il est seul, donc de toute façon, ça fonctionnera pas. Donc, 6 points de vie. Je récupère que 2 dés. Hein. Ça, c'est vraiment dégoûtant. Ah là là, je récupère que 2 dés. Mais je peux en récupérer 3 après avec ça. Bon, on va y aller pour 3 dés bleus. Donc, y va. 3 miss. Bon, là, avec cette capacité-là, je pourrais les prendre et les remettre dans mon pot, mais je vais les relancer de toute façon si je prendrais les mêmes dés. Fait que ça n'a pas d'importance. Et là, j'ai 2 qui réussit et 1 qui ne réussit pas. Et là, ben, ça me prend une touche. Ouf, j'ai le critique. Parce qu'encore une fois, si j'avais pas ma touche, je perdais, puisqu'il me faisait un point de dégâts. Il est battu. Pas de dégâts, pas d'after effect. On perd mes. J'épuise mes 3 dés. J'en récupère que 2. Donc, je récupère mes 2 dés. 2 dés sur 3 que j'ai perdu. Et je gagne cette récompense que je vais utiliser au prochain tour. Maintenant, j'ai 4. Donc, j'ai maximum de récompenses que je peux, d'objets que je peux avoir en main. Je ne peux pas en avoir plus que ça. Et là, je vais défausser une carte. Ben, voyons donc. Recover all your dice. Celle-là, c'est mon prochain boss. Oh my god. 8 points de vie, on va lui en faire. Des points de vie, des points de dégâts, croyez-moi. Ouf, ouais, c'est trop fort ça. Donc, j'ai moins besoin de celle-ci. Là. Un maximum de 8 dés peut être. Non, vous voyez, je peux même pas le faire de toute façon parce que j'ai plus de dés jaunes. On dit que les dés qui ne sont pas jaunes peuvent se mettre appliqués sur cet ennemi si c'est appliqué en même temps qu'un des jaunes. J'ai plus de dés jaunes qu'on va défausser cette carte-là. OK. Bon, ben là, devinez quel ennemi je vais prendre. Celui-ci. Hey, il est trop fort celui-là. Le Gutter Die. Si on a souffert n'importe quel dégât dans cet engagement, Suffer Damage Step. OK, ouais, mais c'est ça. S'il nous fait, on ne fera pas un dégât, on va le battre. Oublions ça, on va le battre. Ouais. Donc, 8 dégâts à lui faire, je vais lui lancer, je vais lui lancer un paquet de dés. Hein. Mais avant ça, je vous vérifie quelque chose. Alors, c'est juste pour vérifier les effets, quand est-ce que je peux utiliser ça. Avant de commettre des dés, je vais utiliser cet objet-là. Qui me dit de récupérer 3 dés? Donc, j'attends, puis je récupère mes. J'attends plus tard. Je le garde pour une autre fois. Puisque je sais que je vais récupérer tous mes dés éventuellement avec le prochain tour. Si je bats lui, j'ai tout ça. Donc.
Donc, qu'est-ce que je fais? Je lance mes dés. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je pense que je n'utiliserai pas tout de suite cette carte-là. Je vais la garder pour plus tard, quand elle pourrait bien me servir. Puis je vais plutôt me servir de cette carte-là au prochain tour pour récupérer tous mes dés. Donc, je vais lui faire 8 points de dégâts. Je vais lancer carrément. Écoutez, j'ai envie de lancer tous ces dés-là. Tous les dés qui me restent en réalité. Ouais. On y va. Je lance tous les dés. Je vais baisser un peu les cartes puisque je puisse voir la tour à dés. Bon, tous les dés, on y va. J'ai plus aucun dé dans mon pot, ils sont tous ici. Ah, quand même un bon résultat. Ici, bon, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parce qu'ils valent 2 chaque eux aussi. Donc, j'ai 8 dégâts déjà partant. Et avec cette capacité-là, je peux récupérer les dés qui ont les misses. Là. Je retourne dans mon pool. Et là, j'ai fait mes 8 dégâts. Donc, il est mort. OK. Pas d'after effect parce que j'ai pas subi de dégâts dans cette phase-là. Et donc, je perds tous mes dés ici. Je les épuise. Ce qui me fait que j'ai plus qu'un dé dans mon pool et j'ai tous ces dés-là dans ma fin épuisés. OK. Et là, je vais en récupérer 2. Donc, je vais récupérer 2 bleus. Et maintenant, je regarde ma récompense. Et là, c'est ma... J'en ai 4 déjà. Donc, je vais défausser celle-ci pour pouvoir gagner celle-là. Donc, j'en ai continue d'avoir 4. Celle-ci, défaussée. Parfait. Et là, je défausse une autre carte ici. Ouais. Défausser celle-là. OK, les piles sont vraiment basses. Bientôt, je n'aurai pas le choix. Comme je dis, on peut affronter le boss aussitôt qu'on a une carte, une pile de fini où on peut attendre les 3. Bon, et là, c'est là que là je décide qui je vais affronter. Et là, je vais prendre la mortoise. Écoutez, 2 points de vie, puis on récupère des dés. Ça, c'est un effet immédiat. Hein? On va y aller avec lui. Le Wild Spore Seed. 3 points de vie à battre. Un maximum de 5 dés peuvent être commis. Bon, ça c'est beau, j'irai pas jusqu'à là. Flip de top 1. Ok, ça c'est. On va voir c'est qui le boss là, avec ça. Ok. Bon. Je le mets là. Et avant de jouer cette carte-là, je vais. Jouer celle-ci. Je vais jouer cette carte qui me permet de récupérer tous mes dés. Tous mes dés. C'est énorme. Ça, c'est merveilleux. Vraiment, là, donc je récupère tous mes dés. Mais là, ben, ça veut dire maintenant que les dés bleus ne valent plus 2. Oups. Ah, quel con je suis. Là. Les dés bleus ne valent plus que 1 maintenant puisque j'ai plus 8 dés dans ma... dans ma zone d'épuisement. J'ai 0 dés maintenant dans ma zone d'épuisement. OK, là c'est quoi encore la mission? Là, faut pas que j'oublie. Commit all dice of 3. OK, 3 couleurs différentes. Ouais. Je l'ai fait ça. Je l'ai fait juste avant. Oui, je l'ai fait juste avant quand j'ai mis toutes mes dés. Toutes mes dés au complet, j'avais mis le rouge, le bleu et le mauve tout d'un coup. Donc j'avais mis tous les dés dans mon pot qui avait. Ben voilà, j'ai compris mes 3 missions. C'est vrai. Je l'avais fait précédemment. L'ennemi d'avant. J'avais mis tous mes dés qui me restaient. Puis c'était 3 couleurs justement.
Donc, un maximum de 5 dés. Ben, j'en mettrai. Ben, là, je peux peut-être en mettre 5 là, parce que les dés bleus valent plus 2. Hein. OK. Bon, on va faire le retour des dés verts et des dés jaunes. Allons-y donc pour 2 verts, 2 jaunes et un bleu. Pourquoi j'en mets autant? Ben, c'est intéressant, c'est que je peux récupérer les dés qui n'ont pas fait de touches avec ça. C'est ce qui est super intéressant. OK, il va. Donc ici, j'ai 2 touches. Et ici, j'en ai 3 qui n'ont pas servi. Donc, je décide de les récupérer grâce à cette carte que je viens tout juste vous montrer, mais que je vous remonte, qui me fascine. Là, c'est vraiment super mieux avec ça. OK. Et là, je dis, bon, je suis dans ma deuxième phase, et là, j'ai plus qu'un dégât à faire. Et j'ai 4 phases, j'en ai fait qu'une. Donc, je vais lancer un dé 1, 2 dés jaunes. J'espère avoir une touche dans ces deux-là. Non, aucune touche. Donc, ça, c'est ma deuxième phase de stratégie. Troisième. Oh, troisième, toujours pas. Donc, je récupère ces dés-là. Je vais lancer un dé mauve. Ou mon dé rouge. Je vais lancer mon dé rouge pour faire sûr que de le tuer. Et voilà. Et voilà, dé rouge. Et voilà, 3 points de vie. Bon, donc battu. On épuise les dés. On récupère les dés. J'en récupère 2, donc un rouge et un bleu. Et celui-là est battu et je gagne 7 récompenses. Et là, je vois défausser une carte ici. Je vais défausser celui-ci. On achève. Et là, je vais récupérer. Je vais prendre celui-ci. Donc. 6 points de vie et les touches sur les jaunes et les verts font 2 dégâts au lieu d'un. Écoutez, je ne me dérange pas du tout. Donc, on va prendre les rouges et les verts d'abord, puisque c'est pour être comme ça. Donc, on va se prendre 3. On prend 2 rouges et un vert. Tout simplement. Hein, on ne va pas prendre plus de dés que ça. Avant, ouais, OK. Et voilà, j'ai déjà 2 touches ici qui me fait 4. Ça, c'est donc ma première phase de stratégie. On y continue. Deuxième, ça ne marche pas. Troisième, un critique. Parfait. J'ai mes dégâts. Donc ça, ça vaut. Chacun de ça vaut 2. Donc ça fait 6 points de dégâts. Il est mort. Là, avant de faire ma phase de resolve, je vais plutôt utiliser cet objet-ci, de flipper la carte du boss pour voir c'est quel boss qui nous attend là. Donc, on va flipper cette carte-là. Donc, le Hive Monarch, ça serait lui peut-être qu'on pourrait affronter. OK, je le mets là. Donc, lui, le Enemies One. 3 dégâts par round. OK. Bon, donc je perds ces dés-là. Je gagne cette récompense-là qui me dit de récupérer 2 dés. Donc je récupère. Oui, c'est immédiat. Hein? Avant, j'épuise les dés. Ah, puis après ça, je récupère les dés. Donc, voilà qui est ici. Donc je récupère ces 2 dés-là. Et là, je gagne ma récompense qui me dit que je récupère 2 dés. Et là, je récupère les 2 derniers jaunes qui me restaient. Donc, j'ai plus aucun dé dans ma zone d'épuisement. Et là, je vais défausser une carte ici. Celle-là, qui me va être longue. Plus 1. Oh non, plus 1, je l'aime bien celui-là. Je vais défausser celui-là.
Ah, ben voilà, j'ai un ennemi obligatoire ici. Drone alone. Puis en plus, il amène un ennemi avec lui. Oh là là. Ok, je vais faire amener celui-là. Oh my god, j'ai 7 points. Oh my god. Hey, dans chaque roll dice step, count the number of roll misses. Take the number of roll hits. Take the same number of hits and relance. Oh my god. On relance nos 10. Oh là là, ben je vais faire venir celui-là. Ah, il y a un autre ennemi. Oh my god. Bon, ok, j'essaie de lui. C'est le prochain coup, c'est lui qu'on voit qu'on a. Qui est lui qu'il va falloir qu'on affronte, à moins que je le défausse. Je pense que je n'ai pas le défausser, mais. Ah là là. Ok, bon, ben, j'ai deux ennemis, hein. Un qui a 4 points de vie et 3 points de vie. Je pense qu'on va, on va mettre beaucoup de dés dans ce combat. Un dé rouge, absurément. Assurément. On dit qu'ici, on ne peut pas mettre de dés verts. Ça se dit qu'il n'y a aucun dés verts. Bon, ben. On va lancer des dés. Comme ça, 7. On va mettre mes dés les plus forts. Vraiment, là, j'ai. Il faut absolument. Moi, parce que je relance des dés, hein, ici. Je relance des dés aussitôt que j'ai des échecs. J'en ai 3 échecs, exemple. Bien, je vais relancer 3 succès. C'est pas cool, ça. Donc, première phase de stratégie. Et j'ai aucun échec, donc je relance aucun dé. Ça, c'est. Hey, wow, c'est cool ça. Ça fait beaucoup de dés qui ont été lancés cependant. Ok, donc 4 points de vie, j'ai peut-être déjà tout ce qu'il faut. Ben, j'ai déjà toutes les. Ah, c'est incroyable, j'ai déjà tous les succès qu'il me faut. Vous voyez, on lance des dés qui sont forts, mais bon, on les perd après. Hein? Mais je vais les récupérer. Donc 4 points de vie ici, 3 points de vie là, ben d'un coup, j'ai tué tous les deux. Je ne m'attendais pas à ça. Je voudrais vraiment relancer des dés et avoir des difficultés, mais bon, c'est comme ça. Ok. Bon, ben maintenant, j'ai pas d'effet, j'ai pas de dégâts. Donc, on épuise tous ces dés-là. Et là, on récupère les dés. Je peux en récupérer jusqu'à 2. Donc, je vais récupérer un mauve et un rouge. Et là, ok, j'ai des effets immédiats ici. Donc, j'ai récupéré mes dés qui me permettaient mon 2 ici de récupérer. Et là, je gagne mes récompenses. Et mes récompenses, c'est des récompenses immédiates. Et donc, un plus 1 ici. Donc, ça, c'est encore super. Je tombe à 3. Et je peux défausser un ennemi non obligatoire. Donc, j'ai défaussé celui-là. Lui est fait. Et l'autre récompense, c'est une récompense aussi immédiate. Plus 1 encore, donc je passe de 3 à 4. Ça, c'est encore 4 dés, je récupère, ça c'est fort. Ça c'est vrai. Et je peux je récupère 3 dés, ok. Je vais plutôt le remettre à 3. 3, ça va. Et je vais plutôt prendre l'option de récupérer 3D. Donc, récupérer ces 3D-là. Oubliez, j'ai banni un mauve. Hein. Donc, les mauves sont importants. Puis aussi, j'ai cette récompense-là que je pourrais utiliser plus tard, de toute façon. Là, j'ai un dé épuisé, c'est un dé bleu. Et là, je peux enlever un ennemi. Je peux enlever un ennemi, mais je ne peux pas enlever lui. Je vais enlever un des deux ennemis qui sont là. Donc, celui-là, je l'enlève, puisqu'il me permet de... Oh, puisqu'il y a une carte ici. Donc, j'enlève lui. Et là, je dois absolument, pour ma prochaine phase d'activation, prendre celui-là. Heureusement, il vient avec personne d'autre. Donc, un 2D... Un maximum de 2 dés peut être appliqué à cet ennemi. Oh, ça me prend des critiques. Ok. Il ne fait aucun point de dégâts. Hein? Aucun point de dégâts.
Bon, in the roll, dice, step, rerolling. Ok, bon. C'est bon. Ok, donc là, je vois, lui, il est quand même pas mal. Pas, il fait aucun point de dégâts. Donc ça, c'est bon. C'est bon pour moi, parce que j'ai un point de vie. Hein, on s'entend. Et 2, 2. Donc, je vais lancer 2 dés. Ben, je vais lancer ces 2 dés-là. Mais bon, ça me prend des critiques. De toute façon... Donc, de toute façon, ça ne dérange pas. Je vais lancer 2 dés jaunes, puisqu'il y a un critique sur chaque dé, de toute façon. Les chances que je signe un critique sur le dé rouge ou sur le dé jaune sont les mêmes. Donc, je lance, j'ai 4 tours pour lancer pour tomber sur des critiques. J'en ai un tout de suite au début, donc un critique. Donc, appliqué une fois, j'ai 3 tours pour obtenir un critique. Une fois, ça ne marche pas. Une autre fois, ça ne fonctionne pas. Et encore une fois, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai perdu le combat. Donc, ces dés-là, on applique les dégâts. Mais j'ai pas de dégâts puisqu'il fait 0 dégâts, celui-là. Il fait rien du tout. C'est un Nicker Blight qui fait rien. Donc, c'est ça. Donc, j'ai aucun point de vie perdu, heureusement. Et sinon, j'aurais lancé plus de dés. Hein. C'est sûr, comme je savais que j'avais pas trop de rien à perdre. Donc, j'épuise mes dés. Je récupère mes dés. Je peux récupérer 3, donc je récupère les 3 dés. J'ai plus aucun dé dans phase dans ma zone d'épuisement. Et celui-là, ben, je défausse dans ma phase de nettoyage. Et je dois enlever un ennemi ici. Plus 1 pour chaque ennemi. J'ai enlevé lui. Bon. Ok. Là, je choisis donc celui-là pour me faire gagner de la vie. Hein. Vraiment, lui, là, ça me prend de la vie. Donc, j'ai choisi lui d'activer celui-là. 7 points de dégâts. Donc, je peux récupérer 3 dés. Puis après, celui en récompense immédiate, je vais pouvoir en récupérer 2. Donc, 5 dés, je peux récupérer. 5 dés, donc je vais lancer mes 5 plus forts, pourquoi pas, parce que je suis sûr de les récupérer. Donc je lance mes 5 dés les plus forts. Et j'ai pas ce qu'il faut. J'ai 5 dégâts. J'ai 5 dégâts, donc je vais lancer mon rouge et un... Je vais lancer ces deux-là en espérant avoir des critiques. Après ça, on va peut-être en rajouter d'autres plus tard, mais pour l'instant, je vais me laisser avec juste ces deux-là pour commencer. J'ai un critique sur le rouge. Donc ça, c'était ma deuxième phase de stratégie. Je suis maintenant à 1, 2, 3, 4, 6. Bon, on va y aller pour rajouter un des bleus. Donc, je vais lancer un des bleus. Donc ça c'est ma troisième phase de stratégie. J'ai un succès, donc ça fait 7. J'ai 7 dégâts ici. Il est battu. Ok, pas de dégâts, pas de rien du tout de tout ça. Donc on épuise les dés. On récupère mes dés, donc j'en récupère combien donc? 3. Donc le rouge et 2 mauves. Et je gagne ma récompense. Donc, plus 2, yes, enfin, je reviens à une valeur un peu moins stressante, 3, et je peux récupérer 2 dés, ben, je ne me gênerai pas, je vais récupérer un mauve et un bleu. Plus qu'un des bleus dans ma zone d'épuisement, et là, je vois défausser une carte ici. Défausser lui. Quoique je fais attention parce que le boss va en amener 2. Hein. Donc, je vais peut-être m'assurer que les faibles restent là. Hein. Je pense que ça je vais faire. Je m'assure que c'est des ennemis qui ne sont pas trop forts. Je laisse là lui. Lui, je le défausse. Bon. Là, j'ai une pile de vide. Là, je me dis, est-ce que j'affronte le boss? C'est la question que je dois me poser.
Donc, juste faire sûr que je comprenne bien quand il arrive, lui. Bon, ben, je vais te dire que je vais affronter le boss. Je suis prêt. Je crois, j'ai tous mes dés. Profitons-en. J'ai 3 points de vie. Bon, allons-y. Donc, c'est ce boss-là que je dois prendre. Il va arriver avec 2 ennemis. Donc, c'est quoi ça veut dire ça? Les touches. Donc, on peut faire un dégât à tous les autres ennemis, c'est 1, la valeur de touche. Le Hive Monarch, il ne peut pas avoir plus que 3 dégâts appliqués par ronde. Et les dés appliqués ne sont pas enlevés. OK. Donc, il nous fait des dégâts, mais les dés restent là. OK. Bon, lui arrive avec 2 ennemis. Là, on les choisit, là. Je prends lui en premier. Je l'ai laissé juste pour qu'il avait 2 points de vie. OK. Donc, 2 points de vie, je le mets là. Et là, j'en choisis un autre. Et heureusement, ce n'est pas un ennemi obligatoire. Donc, j'ai un autre à 2 ici. Donc, je vais prendre l'autre à 2 qui est ici. Et voilà, c'est le combat final. Et si j'avais eu des... écoutez, j'ai même pas une seule fois appliqué ma capacité. Je viens de m'en rendre compte là. Ma capacité spéciale. Tout dans la partie, j'ai pas fait ça. Je me suis compliqué la vie, hein. Vraiment. Mais là, il faut peut-être que j'y pense maintenant. Oh là là. Ouais. Bon, combat final. Donc lui, on a même cette pile-là, on n'a plus besoin. Je vais même l'enlever. Donc les missions, si je n'avais pas toutes réussies, par mission non résolue, j'aurais dû faire venir un ennemi de plus. Donc ça, c'est ça les missions, la difficulté que ça l'amène. Quand on ne les réussit pas, ben voilà, à la fin, on paye pour. OK, donc ça, avec ça, là, croyez-moi que je vais lancer des dés, vraiment. Donc 3 dégâts maximum, mais moi, je lance tous ces dés-là. Tous les dés, mes dés les plus forts. Je garde mes verts et mes jaunes pour plus tard. OK. Parce que l'important, c'est détruire. J'ai 3 points de vie. Lui, s'il me fait un point de dégâts, c'est pas si mal. Mais eux, faut que je les détruise là. Absolument. C'est 4 dés. OK, un maximum de 4. Ah là là. 4 dés, je vois piquer. Ouf. Un maximum de 4 dés peut être commis pour cet engagement. Ah ben lui, il faut que je le batte tout de suite. Et lui aussi. 2 points de dégâts. OK. OK, je sais quoi faire. Donc, 2 points de dégâts là. 1 point de dégâts ici. Ça, c'était ma phase, première phase de stratégie. Deuxième phase de stratégie. J'ai mon plutôt ici. Donc, j'ai lancé mes 4 dés maximum que je pouvais commettre à cause de cette carte-là. Là, j'en commettrai pas plus. Donc, j'arrête ici. Donc, ces deux-là sont morts. Ils ont chacun 2 points de dégâts. Lui, il est toujours en vie. Bon, là, on assigne des dégâts. Donc, lui, il fait un dégât. Donc, je passe de 3 à 2. Et là, j'épuise ces dés-là. Et je récupère des dés. J'en récupère 3. Donc, je récupère ces 3-là. Non, je pense que je vais l'avoir. Et eux disparaissent. OK. Il n'y a pas de récompense ici. Puis celle-là, ben, ça n'a plus aucune importance. Donc, lui est tout seul maintenant. Et là, je vais utiliser cette carte-ci. Récupérer 3. Je vais attendre. Non, parce que les dés qui sont appliqués ne sont pas... OK, ça, c'est merveilleux. C'est vous pourquoi? Là, il faut absolument que je le batte rapidement quand même. Là. 3 dégâts par tour. Ça veut dire... Oh my God. Ah, ça veut dire que je suis perdu. Three damage applied to it per turn. Ah, je vais me faire avoir, je pense.
Je pense que je vais me faire avoir avec je pense qu'il va manquer un point de vie, j'ai l'impression. Bon, je vais prendre cette carte-là, qui permet de récupérer 3 dés, j'en récupère 2, parce que j'en ai plus que 2, de toute façon, dans ma zone de l'épuisement. Et là, je peux lancer autant de nombre de dés que je veux, mais c'est maximum 3 dégâts par... 3 dégâts appliqués par tour. Fait que... ça me donne pas vraiment d'importance, ça, je pense. Juste ça, c'est assez, là, en réalité, là. Et j'ai 2 dégâts ici. Je tombe deux fois sur ça. Incroyable. Là, j'ai 3 dégâts, mais je peux pas en appliquer plus que 3. Donc, les 3 dégâts sont là. Et lui, ben, il est épuisé. Et ça reste là. Et là, on est en force de dégâts, il me fait un dégât. Je tombe à 1. C'est là que je vais perdre. Maintenant, c'est... on continue à y envoyer des dégâts. Donc, je vais prendre 3 bleus. Et j'ai mes 3 dégâts. Mais je sais pas. J'ai 3 dégâts. C'est ça, pas... Donc, celui-là, je peux juste appliquer ça en réalité. Lui, je l'ai défaussé. Donc là, j'ai 6 dégâts d'appliquer. J'ai 6 dégâts. C'est sûr que je la battrais, mais là comme je ne peux pas mettre plus que 3 par tour, ben là, je suis obligé d'arrêter mon tour là, puis de passer dans la phase de résolution. Puis là, il me fait un dégât. Et là, je tombe à 0. Je tombe à 0. Donc, j'ai perdu à cause de... Juste à la fin, il aurait fallu que j'ai 4 points de vie pour pouvoir le battre. Parce qu'il fallait le savoir. En tout cas, ma prochaine partie, je vais le savoir. Parce que il y avait les ennemis. On bat les ennemis, c'est sûr qu'il nous fait un dégât. Après ça, on doit y appliquer 3 dégâts par tour. Sinon, ça va prendre 3 tours le battre. Il nous fait encore 3 autres dégâts. Donc, il faut avoir au minimum 4 points de vie pour l'affronter au début. Ça, c'est si on tue tous les ennemis d'un coup, les autres. Là, hein. Donc, 5, c'est encore meilleur. Mais 3, c'est sûr qu'on perd. Parce qu'un tour pour détruire ces deux ennemis, à moins qu'on réussisse, à moins qu'on ait... Ben, en plus, j'avais l'ennemi qui me... En plus, que pour mal faire, j'aurais pu l'avoir, mais j'avais l'ennemi pour mal faire, j'avais cet ennemi... Lequel? Lui, là. Un maximum de 4 dés. C'est ça qui m'a... Mais est-ce que je pouvais... Ben, quand il était battu, est-ce que je pouvais... Le battre. Apply. Est-ce que l'ennemi est defeated? Ah! OK! Je comprends. OK, ben là, okay, j'ai mal joué. Ben, je ne referai pas. Je ne reculerai pas en arrière. Là, j'ai mal joué, c'est sûr. Donc, ce qu'il fallait que je fasse, c'est que... Et où la carte, là? C'est ça. Que j'applique mes dégâts à cette carte-là. Puis là, au moment qu'il était... les gars, il était battu. Et ça, c'était plus bon. Donc, en ayant battu lui, l'autre que j'avais, c'était lui. Là, je pouvais relancer... Là, dans mes autres phases de stratégie, je pouvais lancer beaucoup plus de dés. Puis j'aurais pu en appliquer à lui. Donc, j'aurais pu le battre bien avant. Bien avant. Donc, c'est ça l'affaire. Donc, j'ai comme oublié que lui, en étant battu, quand j'ai mis ses deux dégâts, ces effets-là ne s'appliquaient pas, puis je pouvais lancer d'autres dés après. Je me suis maintenu à 4 dés pour mon première phase, mon premier round, puis c'est ça qui a fait qu'il m'a fait un dégât. Il m'aurait fait un dégât quand même, mais au moins j'aurais pu mettre des dégâts dessus, puis j'aurais battu en dedans de 2 rounds. Le fait que j'ai pas mis des dégâts dessus la première round, là, ça, c'est ça qui a fait que j'ai perdu. Mais j'avais mal compris, là. Ben voyez, c'est une semi-défaite, on va dire, là. Je calcule ça comme ça, mais j'ai... Si, ouais, j'ai perdu en réalité, mais c'est juste que la victoire était possible si j'avais compris comment que cette carte-là n'était plus active quand je l'ai battue. Ben, c'est pas grave. C'est comme ça. Donc, ben, moi, j'avais vu le jeu. Il est vraiment intéressant, là. C'est du push-your-luck un peu.
Les lancers de dés, vraiment, et là, il faut être chanceux aussi des fois. Il y a plein d'objets, plein de manières de mitiger les résultats. Non, ce jeu-là, c'est, moi, je trouve que c'est une réussite. Là. Je vous conseille. Il ne va pas très, très cher. Je ne sais pas comment il vaut pas en magasin, parce que c'est bien rare qu'on voit les Chip Theory en magasin. Ben, il y en a quand même, mais il va sûrement apparaître. J'espère qu'il va apparaître, parce que c'est un beau succès, tant qu'à moi. Et voilà, ben, c'était Twenty Strong. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai vraiment bien aimé ma partie, comme je viens de vous le dire. Fait qu'on se revoit bientôt pour une autre partie. Probablement, je vais faire une autre partie pour explorer tout Manibon, les Victoriums, assurément. En tout cas, j'espère que vous allez aussi suivre les prochaines parties pour voir comment ça va se passer avec ces decks-là. Donc, au revoir, portez-vous bien et à la prochaine.